à tous, j'espère que vous allez bien. Dans le dernier épisode, Emir allait à l'entreprise de Kemal. Il arrive à l'entreprise de Kemal, il frappe à la porte. Kemal pense que c'est Asso qui frappe. Il ouvre et s'excuse directement d'avoir été désagréable avec elle. Kemal voit que ce n'est pas Asso, mais Emir. Emir rentre dans le bureau, ensuite il prend place. Kemal lui dit directement que sa femme venait de partir. Kemal informe ensuite Emir qu'il avait fait appel à Nihan afin que celle-ci change la peinture de l'entreprise, mais que Nihan a refusé la proposition car Nihan était beaucoup occupé. Nihan pendant ce temps était toujours en route. Celle-ci en pleurs freine brusquement sa voiture. Elle se met à pleurer. Ensuite, elle continue sa route. À l'entreprise pendant ce temps, Kemal demande à Emir s'il était là pour parler affaires. Pendant qu'ils prennent le café, ils se mettent à parler affaires. Emir accepte de travailler avec Kemal. Il dit à Kemal qu'il acceptait finalement ses règles. Avant de quitter les lieux, Emir ne peut pas s'empêcher de menacer la famille de Kemal. Ensuite, il quitte les lieux. Pendant ce temps, Tufan, qui cherche toujours les infos sur Kemal, est allé se coiffer au salon de coiffure du père de Kemal. Tufan se met ensuite à sympathiser avec eux, tout en leur posant de tas de questions sur leur famille. Il apprend donc par le père que Tariq est le fils aîné de la famille et Kemal le petit frère. De l'autre côté, pendant ce temps, lorsque Zeynep, qui s'entretient, il voit Ozan, qui l'attendait dehors. Celui-ci suit la jeune femme et tente de discuter avec elle. Ozan est attiré par Zeynep, mais celle-ci n'est pas insensible au charme du jeune homme. Ils se disent au revoir. Ensuite, la jeune fille gênée s'en va. Derrière, Ozan appelle Fatih, le recruteur de Zeynep, pour avoir le numéro de téléphone de celle-ci. Lorsque Zeynep rentre dans le bus, elle reçoit un message d'Ozan, chose qui la surprend. Dans un premier temps, la jeune femme hésite à répondre, mais elle finit par le faire. Emir, pendant ce temps, arrive à la banque et prend ses clés USB dans son coffre. Un flash est alors montré. Emir se souvient du jour où il va payer une femme pour tenter de piéger Ozan. De retour à la réalité. Dans la voiture, Emir appelle sa femme de ménage. Vous demandez si Vildan est à la maison. Celle-ci accepte. Emir demande à la femme de ménage de préparer la salle de la télévision. Vildan, elle, arrive à la maison. Contrariée, son mari comprend qu'elle venait de voir Leila au cimetière. Apparemment, Leila et Vildan sont des sœurs. Et Leila vit dans la maison que le père de Vildan avait laissée. Nihan, pendant ce temps, décompressé en mer, en jouant avec un chien vu sur place. Les hommes d'Emir continuent toujours à la suivre. Au salon de coiffure, pendant ce temps, Tariq voit les appareils dont il parlait à son père, mais achetés par Kemal, chose qui le déplaît fortement. Il reproche à son père de tout le temps accepter tout de Kemal, sans rien dire. Tariq règle ses comptes avec son père, devant Tufan, mais les deux hommes ne savent pas qui est Tufan. Tariq, en colère, sort du salon. Derrière, Tufan paie sa prestation et s'en va. Arrivé dehors, il félicite Tariq pour son travail, puis il quitte les lieux. Kemal, pendant ce temps, va présenter ses excuses à Asso pour avoir été impoli avec elle. Ensuite, il reçoit l'appel de son père, qui veut le voir immédiatement. Kemal informe son père qu'il allait assister à une émission télé. Son père comprend. Ensuite, Kemal décide de passer quand même par le salon avant d'aller à la télévision. Plus tard le soir, il arrive au salon de coiffure. Youssouf lui fait savoir qu'il était contrarié avec ses achats. Kemal ne comprend pas. Demande à son père s'il n'aimait pas ses cadeaux. Par la suite, Kemal dit à son père qu'il voulait juste aider en soutenant l'idée de Tariq. Youssouf comprend. L'idée était bonne, mais il dit à Kemal en faisant cela, il avait brisé le cœur de son frère. De l'autre côté, pendant ce temps, Emir arrive dans la salle de télé et fait venir les parents de Nihan. Emir se met à les mépriser en jouant avec eux avec un jeu débile. Il montre aux parents de Nihan la soirée où Ozan avait tué cette femme. Il demande aux parents de Nihan de répondre aux questions. Par la suite, Emir leur montre un tableau montrant Kemal en train de sauver Nihan de la noyade. Il demande à Vildan à quelle fondation ce tableau avait été donné. Mais celle-ci, sous pression, ne se souvient plus de rien. À Ander, il lui demande de quoi parlait-il avec Kemal. Ander, sous pression, ne dit rien. Emir est en colère. Il menace par la suite le couple d'envoyer cette cassette à la police. Les parents de Nihan sont sous pression. Un flash est alors montré. On montre alors comment s'était déroulée cette fameuse soirée. Ozan et une des filles qui avait été payée revient d'une soirée complètement bourrée. La bosse de la fille va alors remettre des armes à la fille pour que la rencontre dérape. La fille va alors proposer à Ozan de jouer avec un jeu. Elle va dire à Ozan que les armes n'étaient pas chargées. Mais ce que la fille ignorait, c'est que lorsque la rencontre va déraper, c'est elle qui allait perdre la vie. La fille va alors décéder. Pendant ce temps, Emir et la bosse de la fille patientaient à l'extérieur. Ozan va alors paniquer et c'est là que Emir va arriver. De retour à la réalité, Emir continue à mettre la pression aux parents de Nihan. De l'autre côté, pendant ce temps, Nihan arrive à l'atelier. Kemal, de son côté, arrive à la télé. Nihan reçoit l'appel de son amie, Jasmine, qui lui dit de regarder la télévision, chose qu'elle fait. Celle-ci l'allume et voit Kemal parler à faire. La famille de Kemal, de son côté, ne rate pas l'interview. Ali et Leila aussi.
Après, l'ITV, Kemal informe son chauffeur qui veut passer voir une personne. Pendant ce temps, les parents de Nihan étaient toujours sous pression avec le chantage d'Emir. Ils décident d'appeler Ghalib pour essayer de régler la situation avec lui. Ils prennent rendez-vous demain. Emir, de son côté, reçoit Tufail. Celui-ci informe son patron qu'il avait emmené une personne. Emir va donc le voir. Et c'est Tariq. Alors, que peut bien faire Tariq chez Emir? Nihan, de son côté, décide de quitter son atelier. Au même moment, Emir, de son côté, reçoit un message. Emir est bourré de colère. Pendant ce temps, lorsque Nihan arrive au portail, elle ouvre et voit Kemal, chose qui l'étonne. Kemal dit à la jeune femme qu'il était venu parler avec elle. Pendant ce temps, les hommes d'Emir les filaient et les prenaient aussi en photo. Nihan et Kemal arrivent à l'atelier. Lorsque Kemal arrive, il fait tomber les peintures de Nihan qui étaient juste à côté de lui. Nihan se rappelle directement que lorsque Kemal était venu la voir, il avait fait tomber ses peintures. De retour à la réalité, cela fait sourire Nihan. Il dit à Kemal qu'il jetait tout. Mais Kemal n'a pas trop envie de rigoler. Il dit directement à Nihan qu'après son départ, Emir était venu le voir à son bureau. Et c'est la raison pour laquelle il était venu la voir. Nihan dit alors à Kemal, il aurait dû donc simplement appeler, que devenir? Kemal, entendant cela, dit à Nihan, s'il est venu, c'est parce qu'il pensait qu'elle n'allait pas prendre le téléphone. Kemal, toujours un regard ferme. Par la suite, il dit à Nihan, pour ne pas lui créer des problèmes, il a donc dit à Emir, qui lui avait fait venir à l'entreprise pour lui proposer un travail, pour expliquer sa présence à son bureau. Pendant qu'ils discutent, Kemal est vraiment très dur avec Nihan. Celle-ci le constate aussi. Kemal explique à Nihan pourquoi était-il devenu dur avec elle. Mais par la suite, Kemal s'excuse. Ensuite, il dit à Nihan qu'il quittait le lieu. Kemal décide de partir, mais au même moment, on vient frapper. Kemal et Nihan sont sous pression.